tout le monde. Eh bien, j'espère que tout le monde va très bien. Baruch HaShem. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion très importante et je ne crois pas que j'ai eu l'occasion de vous en parler jusqu'à présent. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a un sens à ne faire que une demi-mitzvah? Une partie de la mitzvah? Un petit bout de la mitzvah? Ou de dire, ah ben non, non, la mitzvah c'est une entité, la mitzvah c'est un tout. Si tu ne peux pas faire, ben tu ne fais pas. T'as raté. Ah ben c'est trop tard, tu feras la prochaine fois. Bien sûr, vous avez compris, la réponse est tout ce que tu peux attraper de la mitzvah, attrape. Fais. Et on voit ça dans beaucoup d'endroits. Entre autres, on voit dans la mitzvah des Ketoret. Vous savez, les Ketoret, on amenait les encens au Beth Amikdash. Alors, une fois qu'on avait la quantité de Ketoret, d'encens, on la partageait en deux. Et on en apportait une moitié le matin, une moitié l'après-midi. Alors, il y a une discussion dans la Gemara, entre les Hachamim de la Gemara. Certains disent, c'est deux mitzvot. Il y a la mitzvah du matin, il y a la mitzvah de l'après-midi. Et d'autres disent, non, c'est une mitzvah. Chaque jour, il y a la mitzvah de Ketoret. C'est une mitzvah et qui est coupée en deux. La première moitié le matin, la deuxième moitié l'après-midi. Alors, qu'est-ce qui se passe si le matin, pour X raisons, les Kohanim n'ont pas fait les Ketoret? Même si, intentionnellement, ils n'ont pas fait les Ketoret. Soit par oubli, soit par décision, du ce matin, on ne fait pas les Ketoret. Est-ce que ça a un sens de faire les Ketoret de l'après-midi? Alors, bien sûr, vous répondez, d'après celui qui dit que c'est deux mitzvot, ben évidemment, tu as raté la mitzvah du matin, alors fais au moins celle de l'après-midi. Mais même d'après ceux qui pensent que c'est une mitzvah, chaque jour, il y a une mitzvah des Ketoret, moitié le matin, moitié l'après-midi. Et donc, s'il a raté la moitié du matin, est-ce que ça a un sens de faire la moitié de l'après-midi? La réponse est oui. Pour X raisons, tu n'as pas fait la moitié du matin, là, la rae, fais au moins celle de l'après-midi. Donc de là, on apprend une chose extraordinaire. Pour X raisons, tu as raté le début de la mitzvah. Alors, fais ce qui reste. Fais ce qui reste. Combien de fois quelqu'un se dit, ça y est, j'ai raté l'heure de la prière. À quoi, quel sens ça maintenant d'y aller? Ils sont déjà au schéma, ils ont peut-être la Torah. Pff, je ne vais pas y aller pour Moussa. Vas-y! Vas-y! Même si tu vas aller pour le dernier Amen, il y a encore un Amen à répondre. Attrape! Vas-y! Attrape ce que tu peux. C'est extraordinaire ça. Imaginons que la mer, on apprend tout de suite, oh là là, la mer vient de déverser un trésor, des diamants, de l'or, des pierres précieuses. Et mais vite, mais en se retirant, la mer va tout reprendre avec elle. Alors tout le monde se met à courir pour essayer d'attraper. Et puis il y en a un qui est un peu en retard et dit, oh, bof, à quoi ça sert maintenant de courir? La mer aura déjà tout pris. Est-ce qu'il va se dire ça? Bien sûr que non. Il se dit, je cours. J'ai peut-être encore une chance d'attraper une. Peut-être que la mer ne prend pas tout d'un coup, peut-être qu'elle prend en plusieurs fois. Et puis le temps que j'arrive, peut-être qu'il restera encore quelque chose avant que la mer n'arrive vraiment. Il court comme un fou, dans l'espoir d'attraper encore un diamant. C'est ça. Nous, notre problème, c'est qu'on ne réalise pas la grandeur de la mitzvah. La grandeur de la Torah, la grandeur de la Gdusha. On dit, bon, de toute façon, c'est perdu, j'irai demain. J'irai la prochaine fois. Mais si tu réalises que chaque bribe de la mitzvah, c'est un diamant. Avant que la marée ne reprenne le tout, tu as encore la chance d'attraper quelque chose. Cours, va. C'est extraordinaire, cette idée-là. Des fois, un homme se dit, oh, mais c'est encore pire. Des fois, quelqu'un dit, oh, de toute façon,
À mon âge, j'ai raté déjà la majorité de ma vie. À mon âge, je vais faire ce choix. Comment ? Mais bien sûr, même le dernier jour, il te reste un jour à vivre. Attrape-le ce jour-là. Attrape-le. Il y a une opération et le médecin dit, écoutez, voilà, c'est une opération très délicate, écoutez. Écoutez, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. D'accord ? Et l'anesthésiste est là. Et on va faire l'anesthésie, il y en a qui ne se réveilleront jamais, Hasbe Shalom. Et ben toi, à ce moment-là, dis, attends, 30 secondes. Je fais encore tchouva. Je fais tchouva maintenant, c'est pas ce qui peut se passer. Je fais tchouva. Quel sens ça a ? Maintenant, tu fais tchouva. Deux minutes avant que l'anesthésiste t'endorme. Ça a un sens ! Comment 2 minutes ? 2 secondes ! 1 seconde ! L'anesthésiste a déjà piqué, tu n'es pas encore endormi. Tu as encore un petit peu de reste. Et tu dis, mais... Tu vas ! Et tu as attrapé. C'est une idée extraordinaire. Jamais un juif ne doit se dire, c'est trop tard. C'est ça d'ailleurs, nous, dans la tfila, on demande tout le temps, on dit, Hachem, ve'aser à Satan, milefanenu, ou me'acharenu. Hachem, retire le Satan de devant nous et retire le Satan de derrière nous. Ça veut dire quoi le Satan ? Alors, je comprends très bien le Satan de devant nous. Le Satan est là devant nous, il m'empêche de faire la mitzvah, il me pousse à faire la avéra. J'en prie Hachem, enlève-moi ce Satan ! Enlève-moi ce Satan ! Qui me bloque, qui m'empêche, qui me donne des idées folles, qui me retient, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire quoi enlève le Satan de derrière moi. S'il est derrière moi. C'est quoi cette idée du Satan de derrière moi ? L'idée du Satan derrière moi, c'est ce que je vous ai dit. Le Satan, il a tout fait pour me faire rater le début de la mitzvah. Il a tout fait pour me faire faire l'avéra. Et puis, au milieu, un moment, je dis, mais il est encore temps, je voudrais m'arrêter au milieu de l'avéra. Le Satan dit, ben non, ça y est maintenant. D'accord, il a son sandwich, son jambon beurre là, il mange. Et puis à un moment il dit, mais je voudrais m'arrêter. Le Satan vient lui dit, mais ça n'a aucun sens maintenant. Ça n'a aucun sens, t'as commencé, t'as mangé. Ça n'a aucun sens de t'arrêter. C'est ça où le Satan, il est derrière toi. Il est derrière toi maintenant. Et ben soit Hachem, enlève-moi le Satan, même si j'ai fait, je jette. J'arrête. Pareil, il m'a empêché d'aller à la mitzvah. J'ai traîné, j'ai dormi, je me suis réveillé, il est tard. Oh, c'est pas ce temps-ci que je vais y aller et tout. Il a gagné le Satan, bravo. Bravo, il t'a fait rater. Mais vas-y, rattrape ce qui reste. Le Satan dit, ben non, c'est pas maintenant que tu vas y aller. Quel sens ça a d'y aller maintenant ? Tout est fini. Non ! Hachem, retire le Satan de derrière moi. Non, j'y vais quand même. J'y vais quand même. Même si c'est pour ce qu'on appelle les JFK. C'est quoi JFK ? Je ne savais pas ce que c'était. J'ai appris. JFK, c'est Just for Kiddush. Même si c'est pour aller au Kiddush que la synagogue offre. Vas-y, attrape le Kiddush. Vas-y, attrape. Ce que tu peux attraper à train. Imaginons, je ne sais pas, quelqu'un a donné ce machin, je crois que c'est le Rav Etzraïm, qu'il y a une vendeuse de pommes, des gamins sont venus et lui ont renversé sa charrette de pommes, son panier de pommes, et toutes les pommes sont allées partout. Et tout le monde court et chacun essaye d'attraper. Chacun attrape 2-3 pommes, elle est là en train de se la monter. Ah, on m'a renversé ma charrette de pommes. Ah, je m'adou. Alors vient un homme sage et lui dit, au lieu de pleurer, toi aussi ramasse. Ramasse aussi ce que tu peux. Tu es là à te lamenter que tout le monde est en train de prendre tes pommes. Toi aussi prends ce que tu peux. Donc pareil, le Satan, il t'a éparpillé ta charrette. Il t'a fait perdre ton temps, il t'a perdu la mitzvah.
Est-il à dire, oh, c'est trop tard, quel sens ça? Non! Ramasse! Toi aussi ramasse, toi aussi rattrape. Chose extraordinaire. Mais le Satan, c'est incroyable ce que le Satan nous donne. Avant, il nous attaque, mais après, combien il nous donne des idées folles pour ne pas rattraper. Pas rattraper. Moi, j'ai connu quelqu'un, mais alors là, c'est incroyable ça. J'ai connu quelqu'un, j'ai acheté l'essence chez lui. Et c'était une fois, la veille du jeûne du 9 av. Tisha B'Av, le deuil de la destruction de Beth Amikdash. Et je lui ai dit, alors demain c'est 9 av, il faut jeûner. Alors on me dit, ah non, moi j'ai plus le droit de jeûner. Ah pourquoi? Ah bah oui, parce qu'une fois, j'ai oublié et j'ai mangé par accident. Et alors? Ah ben on m'a dit que puisque une fois j'ai transgressé, j'ai plus le droit de jeûner. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire folle? Une fois dans ta vie, t'as transgressé. Et il y a des gens qui disent, mais c'est une chose connue. Ah, si une fois t'as mangé, c'est fini, t'as perdu la mitzvah. Comme si la mitzvah, c'est une mitzvah générale. Il y a une mitzvah sur toute ta vie. Si une fois tu as raté, t'as tout raté, c'est fini, il n'y a pas de sens. C'est complètement faux, ça. Il faut le génie du Yetzer Hara pour mettre ça dans la tête de quelqu'un. Au contraire, la halakha dit que même un jour de jeûne, si quelqu'un, par accident, il a mangé le jour de jeûne, il s'est réveillé, il a mangé, il a oublié. Il a bu son café, il a oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Là aussi, certains disent, ah, bah t'as transgressé, ça y est, tu peux manger. C'est faux! C'est faux! T'as bu le café par accident, t'as pris... ça y est, jeûne le reste de la journée. Rattrape ce que tu peux rattraper! C'est une idée formidable, ça. Dans la ruchniyut, dans la spiritualité, le principe est attrape ce que tu peux attraper. Attrape ce que tu peux attraper. Chaque minute de mitzvah, chaque minute de tshuva, chaque minute de rachamim, c'est des trésors. Des pierres précieuses, attrape ce que tu peux rattraper. Vous voulez que je vous dise? Même dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai parlé jusqu'à présent? Celui qui a raté le début de la mitzvah, alors on lui dit rattrape la fin. Même dans l'autre sens. Celui qui commence la mitzvah, mais il sait qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Allez, on lui vient à la prière, il dit mais je ne peux pas, écoute, à 8h30 je dois partir, j'ai mon avion. Ben viens, alors reste de 8h à 8h30, mais je ne vais pas partir au milieu. Si ! Attrape ce que tu peux. Attrape ce que tu peux, et quand tu dois partir, tu pars. Mais attrape ce que tu peux. Combien de fois ça m'arrive, moi, quand je donne un cours, je dis, bah, écoutez, voilà, allez, j'ai cours de 20h à 21h. Ah, ben non, je peux pas, parce qu'à 21h30, à 20h30, je dois aller chercher ma fille. Eh ben, alors, fais la première demi-heure. Ah, mais ça se fait pas de partir au milieu. Mais tu m'as prévenu, fais la première demi-heure. Fais les premières 5 minutes. Tu es là, maintenant, ne pars pas. Écoute la première phrase. Écoute la première phrase. T'es pas à 3 minutes près. Mais est-ce que ça a un sens? Bien sûr que ça a un sens. Chaque mot de Torah, c'est une mitzvah extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Rav Moshe Feinstein dit combien de gens merveilleux, qui avaient un avenir extraordinaire devant eux. Et on voit qu'ils ont fini carrément par devenir des pécheurs. Parce qu'en Avarianim, ils ont quitté le chemin de la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rav Moshe Feinstein dit, le Satan les a eus sur ce point-là. Il a tenté de les faire rater une partie de la mitzvah. Une fois qu'il a réussi à leur faire rater la partie de la mitzvah, le début ou la fin, il leur a dit, maintenant ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens continuer, ça a plus de sens se rattraper, ça a plus de sens. Et petit à petit. Imaginons, moi je me souviens, quand j'étais à la Shiva, alors à Simhat Torah, vous savez, il y a ce qu'on appelle les 7 akafot. On tourne 7 fois avec le Sefer Torah autour de la Vima. Et j'ai vu qu'il y avait un bachour, tiens, qui n'était pas là. Je suis allé dans sa chambre, il dormait encore. Je suis arrivé, je lui dis, tu es en train de rater Simhat Torah. Il me dit, où on en est? Je lui dis, on est déjà à la 6e agafa.
Ah non, j'ai tout raté. Non, il te reste encore la septième. Allez. Mais je me souviens de ce mot. Oh, j'ai tout raté. T'as pas tout raté. Et même si tu te réveilles à la septième à CAFA, il reste encore le dernier quart de tour. Ah, arrive, attrape. C'est beau, ça. Ça encourage tellement. Et surtout, ça enlève une erreur. Une erreur, c'est ça que le Shlomo Meller a dit. Shlomo Meller a dit, regardez comme c'est beau. Il a dit dans Kohelet, « Kol asher timtsa yadecha la'asot bekochacha » Tout ce que tu trouves encore dans ta main, la force de faire, assez, fais-le. Tu as encore la force de courir et d'arriver pour répondre au dernier amen du dernier kaddish, fais-le. Regardez comme c'est très important, par exemple, dans la tefila. Des fois, quelqu'un fait la tefila, Hachem, c'est pas d'aïe, tifta, fia, guida. Il fait cette tefila, Baruch, Ata, Hachem. Et il pense à ses vacances, il pense à ça, ses factures, il pense à la banque, il pense à ça. Il arrive, maudit, manahnoulah. Donc, il réalise, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis déjà arrivé à maudit, mais qu'est-ce que. Eh bien, il est encore temps, rattrape-toi! À partir de maintenant, concentre-toi, essaye d'avoir la kavana jusqu'à la fin de la tefila. Tu as déjà dit Sim Shalom, Tobav, Racharim, Azon. Ah, où je suis là? Tu t'apprêtes à dire la dernière bracha, Baruch Ata Hashem, Abebarech, et Amo Israël, Ba Shalom. Et à ce moment-là, tu te réveilles. À quoi j'ai pensé, moi? Il te reste encore ça? Attrape! Ne te dis pas, ah ben j'ai gâché ma tefila, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est vrai. Ce qui est perdu est perdu. Mais ce qui n'est pas encore perdu, ce qui n'est pas encore perdu, attrape-le. Sauve-le. Rendez compte, c'est beau. Ça vaut pas le coup d'entendre une chose pareille. Donc à chaque fois, à chaque cours de Torah, à chaque mitzvah, tzedaka. Des fois, on a un appel pour la tzedaka. Tiens, il y a une telle œuvre pour tel yeshiva, pour tel hôpital. Ils demandent des sommes. Ils la faisaient d'une somme incroyable, il nous faut ça. Quelqu'un dit, mais ils n'auront jamais la somme. Ils n'auront jamais la somme. Donc quand on arrive, on lui dit, alors vous donnez votre participation. Il dit, ben non, ils n'auront jamais la somme. C'est pas ton problème. Ce que toi tu peux donner, donne. Donne. Ou alors, quelqu'un dit, oh là là, par rapport à cette somme gigantesque. Si de toute façon ils l'auront, c'est pas avec moi qu'ils l'auront, c'est pas mes 10 euros qui vont faire quelque chose, c'est pas mon euro à moi qui va faire quelque chose. Alors je le donne pas. Non, donne. Tu as un euro à donner, donne-le. Tu as 10 euros, donne-les. Mais ça représente quoi par rapport à l'ensemble? C'est pas ton problème. Toi, tu attrapes ce que tu peux attraper. Avec quand on peut multiplier les exemples, c'est magnifique ça. Mais vraiment que chacun de nous se mette ça dans la tête, et surtout à nos enfants, et inculquer ça à nos enfants. Bien sûr, qu'est-ce que c'est beau de faire toute la mitzvah. Mais si pour X raison on ne peut pas avoir toute la mitzvah, on attrape ce qu'on peut attraper. Voilà. Chazak ou Baruch. Allez, enrichissez ce beau message. Merci beaucoup.